Vous avez l'impression de mener une guerre, alors que ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un front, c'est une prison. Gardez cette idée en tête. Vous n'êtes pas au front, vous ne désertez pas, d'accord? Vous vous évadez d'une prison. C'est ça que vous faites, vous vous évadez d'une prison. D'accord? Vous êtes des blancs européens, vous avez du potentiel. Si vous êtes, la plupart du temps, quand vous êtes devenu nation, et surtout quand vous pensez ce que vous pensez, c'est par érudition, vous avez lu des livres, vous êtes moins contre la moyenne en général, politiquement. Mais vous n'avez plus aucune confiance en vous, le système vous chie dessus, le système alternatif vous chie dessus, vous regardez ER, bah en fait c'est pas la faute des musulmans, vous regardez les médias alternatifs, bah c'est pas la faute des noirs, c'est la faute de personne en fait, c'est juste la faute de vous, c'est toujours à vous qui devez changer les choses absolument, comment tu veux changer les choses, t'as pas de thunes, les relations hommes-femmes ont été complètement brisées. Par la propagande anti-homme blanc, il n'y a pas de place pour toi dans ce pays, quoi, mec. Tu m'écoutes, t'as 20-25 ans, il n'y a pas de place pour toi dans ce pays. Pas de place pour toi dans ce pays. Je sais, au-delà de l'insécurité, je sais que le rapport homme-femme, c'est très marquant, par exemple. Dès que vous sortez de France, vous faites, mais en plus, c'est rien, c'est 10 heures de voiture. Vous faites 10 heures de voiture vers la Hongrie, vers la Pologne. Tout à coup, en fait, vous avez des ouvertures, vous avez des possibilités. Parce que vous n'êtes pas vu comme l'ennemi, vous êtes vu comme le prix. C'est-à-dire, vous êtes un homme blanc occidental. Ici, vous êtes valorisé par la culture environnante. Il n'y a aucune chaîne roumaine ou polonaise qui te dit les blancs sont méchants et les noirs sont gentils. Ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire fondamentalement que tout le monde est raciste ici, honnêtement, hein, c'est une exagération. Dire ça, c'est mentir. Mais le fait est que ici, vous n'êtes pas dévalorisé en tant que ce que vous êtes, c'est-à-dire des blancs. Et donc, vous pouvez commencer à respirer. C'est marrant d'ailleurs cette phrase qu'ils ont choisie pour Floyd. Je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer. C'est vous qui ne pouvez pas respirer en France. Vous ne pouvez pas respirer.